Ciao, ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon week-end, le bonheur, la santé, l'argent. Tout d'abord, donc ça c'est une magie blanche pour les couples qui sont séparés, les couples qui s'engueulent tout le temps et que vous ne comprenez pas, soit ça vient de vous, soit ça vient du partenaire, homme ou femme. Hein. Donc, et là vous vous demandez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, je fais tout. Mais il n'y a rien qui... J'essaye de, par exemple, de calmer mon homme, j'essaye de parler avec mon homme, l'homme, pareil pour sa femme, elle ne comprend pas. Ça, c'est toujours le mauvais œil, les gens qui sont jaloux autour de vous, les gens qui vous parlent toujours, par exemple, de vos yeux, de votre corps. Si vous avez un beau corps, que le bon Dieu, par exemple, vous a gâté, vous avez toujours d'autres personnes qui vont vous attaquer. D'accord ? C'est mon cas, hein. C'est mon cas, je ne suis pas une bombe, mais moi, mon corps, tout le temps, les gens m'attaquent. Je ne sais pas pourquoi, je ne leur fais rien du tout, mais la jalousie, je l'ai, d'accord? Jusqu'à presque 60 ans, alhamdoulilah, comme on dit, Dieu merci. Mais quand je parle jamais de mon corps, je ne dis jamais, ah ouais, mais les gens m'attaquent, subhanallah, et on me porte mauvais œil. Je peux vous le jurer, mais à chaque fois, je me soigne, à chaque fois, la pierre dans l'un. Donc, les personnes qui trouvent ma vidéo longue, tac. Les personnes qui me demandent des commentaires que j'ai déjà mis des vidéos et au lieu d'aller sur ma chaîne et chercher, on me dit, non, ça, alors je vous réponds même pas en commentaire. N'attendez pas que je vais vous répondre et je vais vous dire, d'accord. Les personnes qui me demandent aussi, je t'aime bien, mais tu parles beaucoup, désabonnez-vous, allez voir d'autres chaînes qui vous mentent et qui vous racontent des bobards. Donc moi, c'est clair et net, tac, je réponds plus aux commentaires comme ça, ok? Les personnes qui me disent, quand je dis quelque chose, il faut utiliser ça, et on me dit, ouais, ben est-ce que je peux utiliser, je peux remplacer ça par ça, je réponds plus, d'accord? Je grignote, une petite madeleine. Alors, aujourd'hui, on aura les filles, il faut être propre. Faut pas voir vos règles, les hommes aussi, vous allez vous laver la tête aux pieds et vous allez préparer, vous allez prendre une culotte et un caleçon. Pour les hommes, pareil, ils prennent la culotte de leur femme et leur caleçon. Vous allez prendre la culotte ou le caleçon, vous n'allez pas utiliser tout le caleçon et la culotte, vous coupez juste un petit bout. Un petit bout, voilà, vous aurez besoin d'un petit morceau comme ça, en fait. Ça, c'est par exemple la culotte, et on va couper juste. Et le reste, on le range. Attention, les sous-vêtements des deux, d'accord, soient sales, mais pas propres. Les personnes qui vous disent avec le vêtement propre, vous savez, c'est des conneries. C'est qu'ils ne savent faire aucun rituel, aucune magie blanche. Ils vous mentent. Ils vous mentent, c'est pour augmenter les vues et pour gagner sur YouTube. D'accord? Je vous le jure. Moi, ce que je vous donne, j'attends rien de vous parce que je vous donne tout gratuit. Et en plus, les gens, ils vous font payer en plus. Alors, vous allez couper juste un petit morceau. Vous allez prendre un grand bol sombre, comme ça par exemple. C'est-à-dire parce qu'on va le couvrir après. Il ne faut pas prendre en verre. Il ne faut pas que ça soit transparent. Vous mettez que l'eau de fleur d'oranger. On met ni eau de pluie, ni eau de source. Juste l'eau de fleur d'oranger. On va remplir. Prenez quand même un grand bol. On va remplir. Regardez-moi, ce bol, il est grand. Donc, vous remplissez un petit peu. Et vous allez couper la culotte un petit morceau. Et vous allez prendre le caleçon ou la culotte... du partenaire, pareil, coupe un petit bout et on les met dans l'eau de fleurs d'oranger seule, sans eau. Vous allez rajouter là-dedans 7 péganums de Armala. 7. Ni plus ni moins. Vous allez rajouter 7 feuilles de cidre. 7 feuilles de cidre, d'accord? 7 feuilles. Et vous allez rajouter le fasour l'ouskri. Comment on appelle ça? La résine de galbanum, le blanc, le whisky. Vous allez l'étoile du sud, vous lui dites le fasour, le whisky.
Alors, enfin, sur Proboscis, on le trouve comme des petites billes, c'est des résines. Mettez deux ou trois. D'accord, c'est tout. Cette péganum de Harmala, c'est le harmel. On met sept feuilles de jujubier, c'est les feuilles de séné. On peut les appeler aussi les feuilles de cidre. Parce que nous, au Maghreb, on les appelle les feuilles de cidre. On met sept feuilles. C'est des petites feuilles. Vous le mettez dedans et vous mettez le fassour. C'est tout. Et vous allez couvrir avec un truc sombre. Un couvercle ou une assiette blanche. Alors, pas de truc transparent. Et vous allez prendre ça. Vous allez commencer dimanche soir. Vous prenez ça, vous couvrez et vous le rangez dans un endroit sombre où il y a, où que personne, à l'abri du regard, personne, il faut que personne ne le voit. Vous allez le ranger dans un endroit propre, nickel. Donc, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, et samedi soir, d'accord, samedi soir, ça fait 7. Dimanche matin, ça fait 7 soirs, d'accord? Vous les préparez. Dimanche matin, on va les prendre et on va les mettre dans une casserole que vous allez utiliser tout le temps pour vos rituels et magie blanche. Vous versez tout ça dans une casserole. Alors, vous les filles, attention, calculez au niveau de vos menstruations. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir ces règles. Vous calculez quel jour qu'il faut commencer. Ou vous pouvez le commencer, par exemple, dès que vos règles finissent, mais absolument le commencer dimanche soir. Tu ne peux pas le commencer, tu ne peux pas le faire un autre jour. Donc, là, vous allez les prendre dans une casserole, vous allumez votre gazinière ou votre plaque induction ou vitrocéramique, à petit feu, et vous allez mettre petit feu, vous allez rajouter un petit peu d'eau de source à ce moment-là. Un tout petit peu, voilà, comme ça. Et petit feu, et vous laissez la casserole bouillir. D'accord? 15-20 minutes, on éteint. C'est-à-dire, on surveille, parce que l'eau de rose, elle peut sécher. On reste à côté et on surveille. Et si vous voyez qu'elle commence à sécher, vous rajoutez un peu d'eau et un peu d'eau de rose. Un peu d'eau et un peu d'eau de fleur d'oranger. Je suis désolée. Que fleur d'oranger, on ne met pas l'eau de rose. Tous les jours, du dimanche matin pendant 7 jours. D'accord? Et vous allez voir. Sauf si vous avez subi une sorcellerie enterrée, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas parce qu'enterrée, il faut la déterrer. Donc la vidéo, elle y est. Pour que vous puissiez, si vous avez subi une sorcellerie nouée, ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionne pour les personnes qui ont subi une sorcellerie jetée devant votre maison. D'accord? Et pendant 7 jours, tu fais toujours la même chose. D'accord? Et vous allez voir, si vous le faites et que ça ne fonctionne pas, c'est que la sorcellerie qu'on vous a fait, elle est enterrée. Ou elle est nouée. Donc, moi, je vous ai fait plein de vidéos à vous de les faire. Gros bisous!